Hop, c'est reparti. Désolé pour la coupure. Ça va être le stream de toutes les galères encore. Là, le flux a encore été coupé, donc j'ai relancé le pépère. On est donc dans Scanner Sombre. Et on va continuer l'aventure, si il y a moyen de moyenner. Donc là, j'ai pas de fenêtre de votre tour. J'espère que tout va bien se passer. Hop, hop, hop. Je fais comme si de rien et comme si le stream fonctionnait à merveille. En fait, je pense que le but qu'on stream, c'est de s'en foutre, en fait, au bout d'un moment. Et de vraiment ne plus s'occuper que du jeu. Bon, monsieur, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Ça fait des bruits bizarres quand même quand je le scanne. L'audio est vraiment très réussi hein, parce que c'est à la fois humide et glauque. Là, je pense que s'il y avait une bestiole qui surgissait de n'importe où, même si c'était un bisounours, je pourrais faire un simili arrêt cardiaque sans le moindre souci. Nounours, t'es où? C'est trois là, dis donc, on se croirait dans quelqu'un. Fond, et de toute façon, il n'y a pas d'issue, donc on va pas trop insister. Non, mais la trace qu'on laisse, elle est vraiment trop bizarre. Un jeu donc qu'on déconseille aux gens qui utilisent des produits qui ne sont de toute manière pas légaux, hein. Parce qu'il fait déjà bien du mal à lui tout seul, naturellement, je pense. Hop, je suis pas mort, je suis pas mort. Pour l'instant, tout va bien. Je pense qu'il y a quand même moyen de mourir. Et on le saura bien assez tôt. Qu'est-ce que c'est ce truc? D'accord. Je vais descendre par le côté où on descend, mon gars. Histoire de pas me rêcher la tête bêtement. Oui. C'est ce que j'avais dit au début du stream avant qu'il vôtre. Il y a un zoom, mais pour l'instant, je ne sais pas à quoi il sert. Mon petit bonhomme. Alors, admettons. Et vas-y que je te peinturlure. C'est peut-être Splatoon qui leur a donné l'idée, je sais pas. C'est bizarre. Donc là, on est dans un mode genre attention à la marche, mon ami. Ce serait dommage quand même. Alors, toi ici, toi aller là-bas. Ça, c'est franchissable. Si je rate pas mon saut. Ensuite, là-bas, il y a peut-être une issue. S'il n'y en a pas, peut-être mal engagé pour la suite, par contre. On verra bien. Hein. De toute façon, c'est scripté. Pourquoi ça serait pas scripté pour nous bloquer comme dans les bons vieux jeux des années 80? Youhou! Et voilà. Ça, c'est fait, mon commandant. Ok. C'est très très mal rangé chez vous les gars. Bon. Des escaliers, il n'y a qu'à les suivre. Alors, devoir se balader en étant avec le scanner en quasi permanence allumé, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus glamour. Bon, ça va, c'est juste une gâchette à tenir enfoncée, mais
sais pas. Tourne dessus là. Ouais, on va dire ouais. Hop, ça ne se franchit pas, mais ça. Tous les gens à qui j'ai dit de mettre le son fort au début doivent me détester à ce moment-là. Mais ça fait partie des charmes d'un jeu, ça. Les différences d'amplitude de l'ambiance sonore. Est-ce que je peux revenir? Oui. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Alors, il me remet où? Oh, c'est gentil. Traité. Ah mais là ça passe pas, je suis con. Oh là, je suis où moi? Ok. Bon, ça y est, je suis en mode blonde. Je ne sais plus du tout où je dois aller, ni par quel côté je suis arrivé. Par là-bas, on a dû arriver. Donc c'est peut-être par là-bas qu'on va. De toute façon, vu les trous qu'il y a, hein, c'est pas franchissable. Donc il y a juste à se laisser guider. Pas tombé comme une lamentable merde. Alors, ce monsieur qui apparemment est chef d'orchestre, eh bien, il a disparu comme il était venu. J'espère que vous avez pas trop mal à la tête, hein. J'essaie de pas trop faire trop de mouvements inutiles. Il n'y a pas trop de monde, c'est ça qui est bien. Même aux heures de pointe, je pense que ça se gère pas mal comme endroit. Bonjour. Non, pas bonjour en fait. Pas bonjour mon gars là. Mais je suis sur du vide. Mais non, c'est pas peint. Comme Denis. Et oui, j'ai décidé d'être dans un domaine proche du TF1 pour pouvoir vendre ses streams à la chaîne concernée. Donc je m'adapte au niveau humour. Ouais, donc ça c'est le truc, genre t'arrives, tu fais le tour, quoi. On va la dire comme ça, les gars. Parce que depuis les bons vieux jeux à la Resident Evil, où faut bien entendu tomber sur cette porte au bout d'un couloir qui te fait retraverser tout le niveau pour aller chercher la clé alors que t'étais à côté en démarrant. Comment ça, je suis d'une médisance légendaire? Mais oui, j'insiste particulièrement. Je suis effectivement d'une médisance légendaire. Et avec des arguments valides à chaque fois. Je vais me récher la gueule, moi, je sens. Regarde pas en bas. Alors, je rappelle que je suis sujet au vertige, donc j'apprécie beaucoup ces phases nauséeuses. Je sais pas comment il passe, le gars, là, parce que normalement, si t'es humainement constitué avec deux fesses, on a déjà une ennemie dans le vide, hein. On est d'accord.
Mais bon, ça le dérange pas plus que ça, tant mieux. C'est bien qu'il n'y ait pas une histoire de pile avec ce truc. Sinon, là, je serais un peu dans. Bien. Beaucoup dedans, en fait. Qui me parle? Satan? Bon, là, le jeu essaie de me dire quelque chose, mais. Calme-toi, Coco. J'invite toutes les personnes qui auraient fait un apéro un petit peu trop poussé déjà à quand même se munir d'un sac, on ne sait jamais. Il peut y avoir des choses que l'orienteur n'aime pas. Alors, reprenons. On vient de là-bas. D'accord. Le sceau de la foi. Bien joué, Dr. Jones. S'il y a un passage pas près du bord, moi je prends, voilà, ça c'est sympa. J'aime beaucoup. Ensuite. Oui, voilà le sympa. Le sympa n'aura pas duré très longtemps en fait, hein. Heureusement que je vois pas les détails. Ah! Splotch! Heureusement que je vois pas les détails des profondeurs abyssales, je voulais dire. Alors, où on est là? Quand ça redémarre comme ça, c'est assez. J'appellerais cette œuvre. Mes paupières s'ouvrirent un lendemain de gueule de bois. Ouf! On va y aller tranquille, hein? Oui, tu me l'as déjà fait ce coup-là, Satan. Oui, bip bip. Mais pourquoi tant de bruit, tant de glitch? Calme-toi, calme-toi, Satan. Ça s'arrange pas, hein. Ok, qu'est-ce que j'ai fait comme merde là elle n'était pas assez large la corniche, pourtant tout à l'heure je passais sur un pied là. Peut-être moi qui ai pas. En fait je passe à travers le mur là. Je veux pas savoir en fait. Parce qu'après je vais me mettre à penser, je vais me dire oh ouais mais hauteur, tout ça. Et faut que certains mots comme hauteur effectivement restent étrangers à mon vocabulaire pour que ça se passe bien. Que je me mette pas à avoir les mains toutes moites sur le pad. Donc là, ça se passe bien. Comment ça, vous sentez le stress du jour dans le stream? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est une impression. C'est mon jeu d'acteur pour faire voir que je suis parfaitement détendu. Bon, allez où cette baloche? Là. Moi la valoche, et en fait c'est une valise explosive. Qu'est-ce que tu me proposes? Ok, chef. C'est rigolo. C'est rigolo. Refait. Ah oui, il faut le temps que ça se recharge. Donc ça gardait qu'on arrive dans une énorme salle et qu'on a besoin de se dire, tiens, je vais où, Kiki? Ne serait-ce pas par là qu'il faut passer? D'ailleurs, j'ai cru qu'il y avait une grotte. Bon, en face, j'avais l'impression de voir une grotte de ce côté. Mais c'est peut-être qu'une impression. Pas du tout. Regardez-moi là. Elle était là, la gourgandine. Donc, gourgandine, plus 10, le mot à caser du stream de ce soir.
Ouh là. Je crois que là, il va commencer à me faire vomir ce jeu. Si je sais pas du tout où on va. Alors, est-ce que vous croyez que j'utilise ce balayage magique? J'entends oui, au loin. On va le faire. Hein. Ouais. Alors pour la descente, je suis pas super convaincu. On va tenter un truc, mais... enfin bon. Vous imaginez ce qui va se passer. Mais je crois pas que j'ai les talents pour m'accrocher à des stalactites. Tentative numéro 1. C'était la bonne. Dis-moi pas, faut toujours remonter, mais on risque quand même. Passage. Accroche-toi, pépère. Ouais, non, ça c'est quand même un titre. Il faut pas y jouer quand on est fatigué. Hein. Parce qu'il y a moyen de perdre un petit peu la notion de haut, bas, gauche, droite à un moment. Et puis, il y a toujours cet affichage de ce qui a été parcouru, c'est super bizarre, quoi. Donc vous êtes ici, vous êtes passé là, boum, le trou. Vous êtes remonté tant bien que mal, on veut même pas savoir comment. C'est bizarre. Mais c'est très réussi. Mais c'est voilà, c'est original. Mais c'est ce que je cherchais dans le stream, hein, de toute façon. Vous savez bien que moi, les jeux qui sont originaux, c'est ma vraie passion, comme disait Omar Sharif. Et là, c'est vrai que ben, je suis servi. Alors là où je me pose des questions, c'est est-ce que je vais rencontrer des choses? Ou est-ce que le jeu va se résumer à un parcours d'énigmes énigmatiques? Alors là, j'ai le droit de me mettre un gadin comme ça. Ou... À 36 000 passages, les gars. Bon, j'espère qu'il y a quelqu'un qui me réceptionne en bas. Alors, pour les gens qui sentiraient un début de claustrophobie, apparemment c'est très très mal engagé puisqu'on ne fait que descendre, hein, sauf erreur de ma part. Serait-ce les 9 cercles infernaux? Va savoir. Ça secoue la tête à force. Un coup de truc là-dedans, ça sert à quelque chose. De toute façon, il aura le temps de se recharger, hein, ce sera fait.
vous laisse profiter de l'ambiance. Ça passe. Mais oui, ça passe toujours. Fait longtemps que je suis pas tombé. Je vois pas trop l'utilité d'avoir le tir concentré en fait. Le tir concentré. Le balayage concentré. Oh là là, le bordel derrière. La map elle déchire hein, en fait. C'est du grand nawak. J'ai l'impression, enfin c'est une impression, je sais pas. Et, si je scanne pas, ça matérialise pas de sol, j'ai l'impression que je peux tomber quoi. C'est trop bizarre. Allez, c'est parti. C'est moi, ce petit bonhomme, c'est Potter, c'est moi. Ouais, les deux à la suite. Je vais finir par croire que je joue aussi mal que Marcus, ce qui doit pas être totalement faux. Iche! On se met une bombe, un petit scan là, comme ça. On va faire des moirages maison, ce sera plus joli. Et ben voilà, me voilà bien avancé. Je vais vous laisser en fait, parce que si le jeu vous plaît, ça serait complètement con de tout dévoiler. Donc je rappelle que c'était Scanner Sombre, un petit truc d'exploration assez original que vous trouverez sur Steam. A tout plus!